Déjà, c'est une opportunité extraordinaire, déjà de pouvoir représenter une aussi belle marque, et en plus dans de beaux endroits comme la Martinique et la Guadeloupe. Hein. Et comme le groupe Blandin était vendeur des trois entités, c'est-à-dire Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin, donc j'ai voulu tenter l'aventure. Oui, c'est globalement une marque très forte aux Antilles et plus particulièrement en Guadeloupe. Je pense, je suis convaincu que l'âme de la marque s'entend bien, s'accorde bien à celle des Antilles à travers la sportivité, le premium, puisque hier a été dévoilée la nouvelle i4, donc 100% électrique. Nous, on a lancé les choses pour importer les voitures 100% électriques, comme on l'a déjà fait en Martinique avec la i3. Donc, ça sera tout à fait d'actualité pour les mois à venir ici. Vous regardez ETV.